Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi le second, il est encore faux? Non, c'est bon, là, non? Non, 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 il est bon. En tout cas, Gartic Phones, Gartic Phone. Oui, avec ben. Alex et Adma. Ouais. C'est-à-dire que moi, je passe encore à côté. Oh. Et oui, c'est comme ça. Triste. Bah, mais sinon, on est... Voilà. Et peut-être qu'on peut l'ouvrir à d'autres gens, je sais pas. Mais c'est chiant à mettre en place, peut-être. Hop là, bah, j'ai jamais joué à Gartic Phones, donc je pourrais pas te dire. Aucune idée. Hop. C'est un groupe de propagande politique maintenant. Merde. Voilà. Donc en fait, on va créer une partie. Peut-être. Ouais, dis-moi, Rebecca. Est-ce que Yue, tu voudrais jouer? Je sais pas si Yue, t'es là. Parce que avec les modérateurs, au moins, ce serait marrant. Hop, écran. Enfin, ah ouais, on peut inviter comme ça, d'accord, très bien. Ouais. D'accord, normal, lever le pied, ouais, donc ça, je pense que Yue, ça te dit de faire du Gartic avec nous? Donc, je vais passer à côté, moi. Ça dépend du sérieux des gens. Oui, effectivement, après, on peut avoir les principaux qu'on connaît à la voix. Et puis, voilà. Salut Ghost Trainer, désolé pour le retard de vos seigneuries. Pour me faire pardonner, je porterai le silice durant 5 heures. Pour me faire pardonner, je m'autoflégerai. Donc, ça ira. Écoute, juste des orties, ça suffiront. Je passe à côté. Bonhomme bâton. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est. Tant pis, peut-être que les gens ne seront pas en vocal, il y aurait que. Oui, c'est ça. On peut, on peut au moins se mettre en vocal avec Alex et Adma. Vous êtes où, alors, du coup? Hop. Vous êtes ici. Le vocal, si, le vocal existe déjà. Voilà, Adma, elle a rejoint. Adma, tu m'entends? Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce son? Allô? Allô? Ah, voilà, ça va mieux. Putain, j'ai entendu. Ouais, non, attends. C'est normal. Oh punaise, hop, ah bah, on n'est pas au bon endroit. Ah voilà, j'allais dire, je te mets à 174%, mais ça devrait aller en fait. Non, non, là ça devrait être bon. J'avais des petits soucis de table qui ne se reconnaissent plus, donc je suis repassé sur le road. Ah, c'est embêtant. Ah, voilà Becky qui arrive. Oula, il faut que je baisse Becky. Est-ce que ça... Non, 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 mais c'est pas forcément. J'ai rebaissé. Ok, bah du coup, non, bah tu peux remonter alors dans ce cas-là. Hop. Parce que je te mets à 200% en fait. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que là c'est bon ou pas? Non, tu veux que je remonte? Tu peux monter encore, ouais. Okay. Je collectionne des canards. Le live se passe bien, écoute. C'est assez rocambolesque. Il se passe plein de trucs. Bonsoir. Ah, le capitaine. Capitaine. Le capitaine qui est très fort, lui aussi, je crois. Tu peux nous dire deux trois trucs non, au cas où. Parce que j'étais près du micro. Ah, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Tout est fort. Ah, il est trop fort, le capitaine. Ah, j'ai la latence. Il faut que je coupe le son. Ah oui, de notre live, oui, effectivement. Oui, oui, voilà. Tu coupes le son de live. Est-ce qu'on invite des gens? Peut-être des habitués? Hop, et ben... Tu veux venir dans le gaming? Genre, tu vois, Naphiros. La tense de ouf, non? Au moins jouer avec nous. On envoie le lien en privé. Ouais, bon après sinon je lâche le lien sur le gaming, le gaming Discord, et puis voilà, ceux qui sont sur Discord, et ben, ils auront le lien. Oui, c'est vrai, en hop, fait. Alors, si vous n'êtes pas sur Discord. Invité, et donc Discord, c'est où? Dans Gaming, c'est dans Partage. Voilà, donc Gaming, c'est exactement ici. Hop, tu disais, tu as de la latence, capitaine, c'est ça? Par rapport à ce que je vois du stream. Ah oui, mais ça, sans doute, très certainement. Bah après, le plus important, c'est ton écran hein, de dessin. Attends, évidemment. Personnalisation. Ah, peut... bah, attends, oui. attends, je vais peut-être pas lâcher ça sur le... Excusez-moi, de... Je vais peut-être pas lâcher ça sur le Discord, parce que sinon, il va y avoir beaucoup trop de monde, en fait, qui va se rajouter. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je te disais, on peut le faire en privé. Ouais, effectivement. D'abord, nous, en privé, puis après, tu le mettras sur le chat du live, et puis ceux qui ont... Genre, Naphiros, Hermione, elle veut. Ok, ça marche. Moi, 10 secondes, c'est fou. Yue, évidemment. Alors, voyons, donc, voilà. Je vais essayer de vous envoyer les messages privés ici. Donc, on va y avoir Naphiros. Est-ce que je peux faire un MP comme ça? Comment on fait déjà? Ah, chuchoter, voilà. Tac, je l'envoie à Naphiros ici. Envoie-le à nous sur aussi. L'URL du jeu, mais. J'arrive, je t'envoie. Non, non. Je vais t'envoyer non, le bah, lien. Non, t'envoyer un invite. Ouais, d'accord. Non, t'inquiète. Calme-toi, tout va bien. Va bien se passer. Donc, Hermione et Naphiros s'est envoyé en MP. Et nous J'arrive. Je peux pas tout faire d'un coup. J'envoie sur. Alors, par contre, j'envoie sur MP sur Twitch. Du coup, Alex, je sais pas si c'est pratique pour toi, peut-être le MP sur Twitch. Ah non, pas du tout. Bah, je te le renvoie sur Discord. Sur Discord. Ok. Ok, merci. Ok, pareil. You're welcome. Hop. Parce que là, au moins, s'il faut que je vous cherche sur Discord, ça va être plus long. Tac. Adma, bah, du coup, je suis con. Hein. Adma, je te l'envoie. Voilà, c'est fait. Et voilà. Qui c'est qui. Et bonsoir, le chat. Ah, Yue, elle a dit qu'elle voulait jouer aussi. Coup, oui, Yue. Allez, je mets Yue aussi dans la boucle. Tac. Qui c'est, et donc, Rebecca, il t'en faut un, c'est ça? Bah oui. Ah, allez, je suis grand seigneur, je vais t'en fournir. C'est bon, j'ai ça. Tu me l'envoies où? Sur Discord, puisque j'imagine que toi t'es sur Discord. Parce que toi, c'est bon, t'es dans mes derniers messages, donc ça va. Et je crois que c'est bon, je crois que j'ai tout le monde. On est bon.
Alors, hop, okay. Moi, je vais changer la tête. Voyons voir. Prendre ça. Ah, c'est marrant, celui-là. Je collectionne des canards. Oh, oh, oh. Mais je t'ai envoyé un MP, Hermione, avec... Ouais, c'est bon, mais t'as rejoint. Hop, donc je vois... Oh, est-ce que je peux partager ça? Hop, partager le premier écran, Zwiz. C'était une apéro, c'est de là le lien, oui, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu me dis, je transfère sur Discord. J'en peux plus de cette chanson, ça y est. Ça y est, j'en peux plus. Vivant. J'ai essayé de la faire à l'automaton. Oh punaise, non, oh, au secours. C'est un strand, c'est mort. Oh là là. C'était long, c'était dur, et c'était pas du tout plaisant. Oh. Ben oui, là, voilà. Mais vous ne savez pas que j'adore cet instrument, en vrai. Mais je sais, si. Mais je sais, on sait, je me rappelle. Je me rappelle que oui. 3, 4, 5, 6. Il manque pas quelqu'un dans le teint, Rebecca? Moi, ouais, oui, je prends cet avatar moche. Alors, pour les connaisseurs de Gartic Phones, vous me conseillez des pré-réglages et des personnalisations ou quelque chose? Genre Adma, j'imagine que tu as beaucoup joué. Ouais. Alors, normal, histoire d'être tranquille. Et puis, du coup, ça fait qu'on alterne une fois l'écriture, une fois le dessin. Ok, c'est en normal. Lever le pied. Ouais, lever le pied, c'est bon. C'est bien que ce soit calme parce que, du coup, ça permet à chacun de pouvoir dessiner. C'est vraiment quand une majorité a validé que le chronomètre se met en place pour les derniers. Ok. Le mode secret Non, il est nul. Faut surtout pas. Donc, comment je le désactive? Alors, lever le pied, oui. Comment il s'active? Ah, faut aller ailleurs, en fait, c'est ça? Faut aller dans personnalisation pour l'enlever? Non, là, c'est bon. Non, tu mets, en fait, soit tu mets en normal, soit tu mets en lever le pied. Tu choisis celui que tu veux. Ah, donc on va mettre lever le pied. Ok, ça marche. Voilà. Et en fait, ah d'accord, faut choisir dans un de tout ça. Ok, très bien. Je pensais que c'était plusieurs options à choisir dans le menu. Oui, excuse-moi, j'ai pas expliqué de manière. Non, pas de problème, pas de problème. Et donc c'est bon, alors ça marche, ça comme ça. J'ai plus qu'à faire démarrer et puis on est parti. C'est exactement ça. Oh. Est-ce que vous avez déjà joué si tôt le matin au réveil? Non, on n'a jamais joué du tout. Non, moi jamais. Alors, avant que tu commences, oui. J'explique juste vite fait le principe. Je veux bien. Sinon, vous allez faire hey, qu'est-ce qui se passe? Complètement. Mais justement. C'est le principe du téléphone arabe, mais avec du dessin. Donc en premier lieu, on va vous demander d'écrire une phrase ou une action ou quelque chose. Mais attention, écrivez quelque chose que vous seriez capable vous-même de dessiner. Ouais. Parce que genre le lampadaire sur la tour Eiffel qui tient un gorille du machin du bidule, personne va pouvoir le faire à part peut-être Alex ou moi et encore. Oui. Si on est... Et encore. Pas moi du tout en tout cas. Ah si, je veux même pas en tout cas. Donc en fait, c'est par exemple une girafe assise sur un tabouret. Ah oui. Ou un singe qui fait du yo-yo. Ou ça peut être ta mère en string. Ah mais la phrase, ouais, c'est au pif. C'est mémé dans les orties, tu vois, ça peut être des choses au comme pif, ça. Au pif, ouais. Enfin, c'est toi qui choisis la phrase au pif, non? C'est ça? Ça peut être n'importe quoi. Ah d'accord, mais c'est chaud. C'est la phrase au pif. Ce qui fait que dans le deuxième temps, quand tu vas valider ta phrase, tu vas recevoir la phrase de quelqu'un, tu ne sais pas de qui, que tu vas devoir illustrer. Ouais. Une fois que tu auras fini cette illustration, tu vas recevoir le dessin de quelqu'un. Et tu vas essayer de deviner quelle était la phrase à l'origine, etc. etc. À la fin de tout ça, une fois que chacun aura fait le nombre de tours qu'on est, donc là si on est 7, il y aura 7 tours, il y aura des livres d'histoire par personne, et c'est-à-dire que, par exemple pour toi, Destange, on aura la phrase que tu as mis au début, le premier dessin, la phrase qui a été mise avec ce dessin, le deuxième dessin, etc. Et ça fait des petits livres d'histoire pour chaque personne qui sont assez drôles quand ça part en couille. Ça part en purée. En purée. J'ai rien écouté. J'ai rien écouté, tu peux le refaire? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu seras puni. J'ai mis ma caméra, Julien, au cas où. Ah, oula, alors... Non, mais je sais pas, comme tout à l'heure. Tu sais. Les pré-réglages, il faut appuyer sur un truc, là? On va dans quoi, on a non, dit non, c'est Adma qui... Non, c'est moi qui le... Ah non, oui, c'est moi qui gère les pré-réglages, effectivement. Alors, tu vas démarrer la partie. Est-ce que tout le monde est là? Hermione, Yue, ouais, tout le monde est là. Ah oui, mais Rebecca, mais faut que tu te pètes en... Oh là là, ça va être extrêmement relou, Rebecca. Bon bah d'accord. Je suis désolé, parce qu'il faut que je recadre, etc. Donc si jamais j'ai un temps mort, je le ferai, mais je crois que j'en aurai pas. Mais pourquoi j'ai un vieux cactus mexicain, là? Ah, tu pouvais changer avant, mais c'est pas grave, tant pis. Ah ouais, dommage. Ah si, je pouvais mettre le nombre limité de joueurs, quel idiot je suis, voilà, c'est ça. J'aurais pu faire ça et partager le lien ailleurs. Ok, c'est bon à savoir. Ouais, si tu veux que des gens nous rejoignent, mais après, ça, le problème de le faire sur Twitch, ouais. Quand tu partages le lien, souvent, t'as des gens qui viennent et qui dessinent des choses pas très montrables. Ah oui, non, mais pas chez nous, ça va, ils sont sympas. Des choses et des choses comme ça. Ah non, mais même quand t'as personne, moi, ça m'arrive à chaque fois. Ah ouais. Non, mais justement, quand t'as personne, oui. À la limite, parce qu'il y a des relous qui viennent... Voilà, bref, on fait démarrer? C'est parti, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Oui. Eh ben, je fais démarrer. Regardez pas mon écran, Ouais, faut pas regarder l'écran.
commencer une histoire. Ah, nous non plus. Ah ouais. On a un temps limité pour taper l'histoire ? Pas vraiment, mais... Bon, après... Ok. Ça y est. Merde, comment on valide déjà ? Bah, à la fin du chant. Allô ? Ça sonne ! En haut à droite, vous avez une sorte de petite tourette là qui vous montre le temps restant. Ah oui, voilà, c'est vrai. Une quoi, une tourette ? Oh, maman ! Oh, mon Dieu, mais c'est chaud, ça ! Bon courage. Alors, merci. À droite, vous avez différents outils pour pouvoir vous baser sur des formes géométriques si vous voulez remplir. Et en bas, la petite tirette du milieu, c'est pour la transparence de votre stylet. À gauche, c'est la grosseur de votre trait. Au milieu, c'est la transparence. C'est trop pratique. Ah, il y a des formes. C'est bien, ça. Pardon. Je me sens écoutée, j'adore. Excuse-moi, j'ai peur. Je vous aime beaucoup quand même, il n'y a pas de souci. J'ai mis une petite musique jazz, moi. Ah, du coup, on l'entend pas. On n'est pas sur le live. On voit pas le temps. Moi non plus. Ah oui, c'est vrai. Vu que j'ai mis une petite musique jazz, je suis parfaitement détendue. Ah oui, c'est normal, c'est ce qu'elle disait en fait. Au début, il n'y a pas. C'est quand il y en a. Là, on est 7. S'il y en a 2 ou 3 qui valident, du coup, eh ben, ça passera. Ah ok. D'accord. Voilà. Ça va être rigolo, tiens. Voilà, on est très, très concentrés. On est très concentrés. Hein. Voilà, c'est la première fois que je joue à Cartic Phones. Je suis très, très concentré. C'est la première fois que je dessine, alors. Oui. Bien sûr, lol. Lol. On y croit. Pas du tout. Si tôt le matin, si, peut-être. Ah, c'est vrai que c'est tôt le matin, là, pour vous. Oh là là. À fond, tellement. J'espère que le chat apprécie mon dessin. Ah, zik, un chouïa fort. Oh là là, d'accord, ok. Mes excuses, j'avais pas vu. Ils sont jamais contents. Ah, mais ils font bien, attends, sinon après ils passent à un live horrible, du coup. Voilà. Bah voilà, ça a l'air bien ça. Voilà, trouver ce truc-là. Ah, et on peut faire terminer, d'accord, ok. Exactement, quand tu as terminé. Là, ça va lancer le compteur et nous on va faire. Oh non! Voilà. J'ai mis la cam devant les icônes de conversation Discord, c'est possible. Ah non, c'est juste que j'ai pas remis le... Oh, j'ai fait trop de trucs en fait. Ouais, pendant qu'ils finissent, je vais faire ça. Tac. Voilà. Ah, je vais le laisser en bas. Ah non, en haut. Je sais pas, ouais, là. Ouais, là, ça me semble pas mal. Oh, cette petite musique jazz que j'ai mis, on est tellement... Bonsoir Momo. J'aurais dû utiliser les formes parce que c'est chaud. Ouais, j'aurais dû mettre les formes, ouais. Souvent. J'utilise jamais les formes, mais c'est vrai que c'est en général plus pratique. J'ai envie d'appuyer sur les raccourcis clavier Photoshop. Ah ouais. Il y a pas. Par contre, droite, le truc comme ça, marche, ça marche pas. Hein. Quoi ? Le Z, ça marche, c'est jamais. Ah cool. Mais bon, mage, ça fait pas de la ligne droite. Hein. Ah non. Bon, on va pas non plus faire passer 2 heures par dessin. Hein. Parce que vous avez fini, vous ? Ouais. Non. Moi, je peaufine un peu, j'avoue. je suis là, mais parce que je veux vraiment être sûr. Enfin, voilà quoi. Je veux vraiment être sûr que vous trouviez. Parce que là, c'est dur en fait. Bâtard, qu'est-ce qui a fait ça ? Ouais. Je sais pas, c'est peut-être moi. C'est pas un concours d'art, dit Yue. Le fun, c'est quand ça part en live, pas quand on trouve tout. Et effectivement, ouais. Ouais, je sais, mais bon, quand même. Ouais. Peut-être la prochaine fois, on mettra le timer, effectivement. Ah!
Ça sonne. C'est qui nous appelle ? Le téléphone. Allô ? Ah non, c'est la meuf qui rappelle de tout à l'heure, c'est Daniel. Oui, c'est pour dire... Oh, elle avait l'air sympa, Daniel. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elle veuille discuter. Bon, on va dire ça. Voilà, il n'en manque plus qu'un, c'est Alex, hein, je suis sûr. Ah bah, j'ai fini. Ah non, alors non. Terminé. Ah yes. Okay. Mais il y a tellement de possibilités, en fait. Bah oui, c'est ça le problème. Ça y est, du coup, je comprends pourquoi c'est marrant. Ah ouais. Tu dérives sur des trucs, des canards qui deviennent des chimpanzés, qui finissent en licorne. Et au milieu, t'as Pikachu et Donkey Kong, mais voilà, tu varies de l'un à l'autre. C'est Triton qui dit qu'elle rappelle pour dire qu'elle voit pas l'intérêt. C'est vrai que j'ai bien aimé ça. J'ai dit non, mais je vois pas l'intérêt. Paf, pastèque. Ah non. Il y en a aucun, c'est justement mais ça. Mais j'ai pas le temps de finir mon mot. Non, tant pis. Quoi? Comment tu veux que je dise ça? Ok. Ah, mais il y en a plusieurs. Attendez là. Ok. Vous êtes trois loups. Ah ouais? Qui c'est les relous? On sait pas. Hein. Mais non. Mais je sais même pas comment c'est ce truc, je suis jamais allé. Ah. C'est un machin avec un bidule et à côté t'as un truc. Et ça donne une chose. Ah voilà. Ah, ça, ouais, je me souviens. Tu vois mieux? Ok. Yeah. Ah non, je peux faire ça. Mon dieu, Julien. Pourquoi Julien, mais il est... Ça a l'air marrant, en tout cas. Oh putain. J'ai tellement envie de voir ça. C'est n'importe quoi. T'as essayé de faire un bassin, c'est ça? Au pire, écoute, on se tombera dessus, je pense que... Ça va être rigolo. Oh, on peut pas faire copier-coller. Pas copier-coller, non. Vous faites faire des trucs de répétitifs. Comment ça se dessine, ça, déjà? La tension est à son comble. Ah ouais, ouais, là, voilà. Complètement. Hein. C'est dur. Ah, et en plus, vous êtes à la tablette graphique, finalement, vous êtes à la souris. Bien sûr. Ouais, je verrai ça tout à l'heure. Tu vois. C'est... Bon, si, ils ont une tablette, c'est sûr. On peut faire ça... Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait avec une souris? Ouais. Déjà, dans la vie... Même à la tablette graphique, pour parcourir, tu sais, quand tu fais n'importe quoi, en final, même pour le boulot, quand je fais du montage, bah oui, pour tout. La tablette, c'est plus pratique. Bien sûr, okay. Même sur Internet. Oh là là là. Ah, c'est vrai qu'il faut faire terminer. Moi, je suis en train de fignoler comme si on allait me fermer le truc à la tronche, mais. Ah oui, mais non. Pas maintenant. J'ai pas fini. Ok, hop. Mais. Allô, Micheline. Micheline. Ah non, c'est Daniel. Ah bah oui, c'est. Bah oui, c'est Daniel, pardon. Il n'a pas su le nom de son mari, c'est je dommage. Pense qu'elle a menti. Elle avait une voix de Micheline. Ah là là. Oui, c'est ça, Tritok. C'est le... Il n'y a que ça comme... comme indice. Merci, Flouki. Flouki, il a dit qu'il était fier de moi pour le dessin. Au secours. J'ai hâte de voir ce que c'est. Hein. Salut, JL, JL Bila. Bilal. Pas finir. Ah, j'ai pas fini. Oh, voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais vous abusez. Merde, c'est quoi? Mais c'est impossible. Je me permets de mettre un point d'interrogation après. Parce que je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Oh là là. Ah mais attention, parce que si tu mets un point d'interrogation, les gens vont croire que c'est une vraie question. Oh, déjà?
putain, les gars. C'est n'importe quoi. Quoi? Oh mais il y en a là. Combien? Il y a sept étapes. Ah ouais, mais ça va durer des plombes. Non, il y a encore une, il y a encore deux étapes, celle-là et celle d'après. Les gens vont partir. Non, je pense qu'ils rigolent bien. Bon, bah, mais c'est dur. Mais non, mais toi, dis-toi que tu sais dessiner. Hein. Mais c'est pire, peut-être. C'est celui qui sait le mieux dessiner de nous tous. Et justement, on va te juger sur ça. J'espère bien. Comment on dessine un truc comme ça? Je sais même plus à quoi ça ressemble. Avec la palette graphique. Google. Ça s'écrit comment? Ah oui, ça s'écrit bien. Google, triche. Ça s'écrit G-O-O. Non, c'est un autre mot que je cherche. Je savais plus s'il y avait deux T-E à la fin ou un seul T, en fait. Capitaine, je comprends. Alors, le copier-coller maintenant. Sur... Eh oui, hein. Eh oui. Mais elle va sur Google, Adma, c'est de la triche. Un copier-coller? Ah, bon, bah, je ferme la page, alors. Mais au moins, je suis sûre de ce que c'est, parce que j'étais pas sûre de ce que c'était. Ah. Putain, c'est génial de dessiner à la souris, les gars. Ouais, hein. Je vous envie pas. Bon, bah, voilà, hein. Ah non. Putain. Mais on dirait pas du tout le bon animal. Non, c'est pas un Allez. Animal. C'est un animal. Mon dieu. Bon, j'espère que c'est drôle pour les gens du chat, hein, parce que moi, on peut pas lire le chat, évidemment. Ah mince, faut pas que je fasse cette couleur, ça se verra pas. À moins que je puisse mettre que le chat et pas la vidéo, je sais pas si c'est possible. Oui, tu peux. Ah ouais, voilà. Salut, good news for you. Quoique je peux pas trop regarder les gens, enfin, parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être essayer de deviner. Donc bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous voyez que moi qui est fini là, c'est dingue. Ah ouais, ah oui, mais c'est vrai que oui. Ouais. Ah là là, ouais, bon. Le problème, c'est que si je commence à lire le chat, en fait, je vois des... Voilà. Il veut des good news. Bah écoute, good news for you. Eh ben, on est content. On passe un super moment, là, pour le live des 2 ans de la chaîne et du partenariat. Voilà, ah oui, là, tu entends ma voix, mais évidemment, je suis béquille. Voilà. Écoute, c'est pas en ça. De toute façon, bon... Attends. Ah oui, on peut faire des lignes. C'est où, déjà? Ah ouais, attends, tiens, je suis perdu. Pas. Ça, hop. Ah, je sais une ligne. Hop, au secours. Terminé. Comment ça, il voilà. manque une ligne du coup? Parce que ça, c'est ça. Et du coup, ça, c'est. Ben, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas regardé. Ah oui, il manque formes, une ligne. Ah, d'accord, oui, il manque une ligne. Ok. Mais oui, c'est bien, Good News. T'avances, je suis désolé, nous dit. Ah, il y a un pot de peinture, c'est pratique aussi. Ah oui, t'as pas le pot de peinture depuis tout à l'heure? C'est dingue. Non, je fais tout au crayon en fait. Putain, mais il en manque quand même une. Ouais, mais il comprend bon, c'est bon. Non, peut-être pas. Peut-être qu'on comprendra pas. Oh là là. Tu comprends, ça se trouve, on ne saura pas, Julien. Voilà. Alors. Mais bon. Ouf. Oh là là. 3 personnes ont passé. J'ai les yeux qui piquent. Quelle horreur. Tu dis, ouais. C'est la même sonnerie que mon téléphone, alors ça me perturbe. Ah oui, allô. Oui. Toi, t'as ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ah. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Ah, on est limité en caractère. Voilà, moi, j'ai hâte de voir les résultats. Ça va tellement être n'importe quoi. Comment? Je vais mettre, c'est pas ça, mais je vais mettre un truc qui s'en rapproche, écoute. Dernier, là. Voilà, là, c'était la dernière étape. Ah, alors, ouf. Voilà, donc ça va être rigolo. Julien, comment va, on fait maintenant? Bah, tu vas mettre démarrer la visualisation alors, de l'album. Je mets le mode d'affichage en manuel mode. C'est ça. Oui, comme ça, t'appuies. Tu peux avoir la narration avec la voix Google dégueulasse. Ouais. Si tu veux. Pourquoi pas. Et pour la présentation, vaut mieux garder début. Et okay. Du coup, voir et après, tu vas démarrer. Et je fais démarrer. Début. Ok. Attention. Il est flippant, notre avatar. Et ben, c'est parti. Un peu, ouais.
Voyons voir. Je sais pas si et nous, on peut regarder votre écran, ça y est ou pas? Alors. Ouais, mais bon, là ça sert à rien. Une chaton qui hurle sur la tour de Pise. Ah, c'est un chaton. Bah oui. Une chaton. Non, mais je me suis trompé. Une chatonne. Naphirus. Waouh, trop bien, Naphirus. Il est vachement bien. Alors, je le pensais pas comme ça. Moi, je pensais qu'il hurlait vers la tour de Pise, tu vois, genre. Mais en fait, sur. Ah ça oui, marche sur aussi. Le ah, chat sur la ça tour marche. De Pise qui crie à Argue. Qui crie Argue. C'est vachement drôle. Oh. Bah très bien. Bah, voilà. Ça marche parfaitement, ça. Bah c'est le même que Naphiros, hein. Oui, oui, bah c'est oui, vrai. Simplement, hein. Il y a pas de drapeau italien. De l'autre côté, du coup. Un chagrin autour de la tour de Pise qui crie. Ah, pas mal, un chagrin autour de la tour de Pise qui crie, c'est bien. Voilà, mais on a perdu le côté chaton. Ah ouais, mais vous faites les couleurs et tout. Ah non. Bah Yue, des fois oui. Et Yue, elle a dit. Un chat miaule à la mort sur une tour. La tour de Pise. Un miaule à la mort. Si ça. Alors si on peut générer un premier gif. Dessin, Je télécharge les gifs, hein, Julien. Je ouais, le fais bah, moi. Ouais, je l'ai. Bah, d'accord, ok. Je l'ai téléchargé aussi, mais d'accord. Ouais, mais comme ça, je le bonjour ferai. Bonjour à la maman de Cathy Miaou. Trop, ah, trop bien. Bonjour à la maman de Cathy Miaou. Alors, le suivant. Album de Naphirus. Naphirus avait proposé. Une guitare avec des lunettes de soleil. Une guitare avec des lunettes de soleil. Ah, c'était donc ah, ça. Oups. Hermione a dessiné une guitare avec des lunettes de soleil. Ok. Ah, bon, bah là, voilà, c'était bien. Ce à quoi Alex a répondu. Une guitare qui bronze au soleil. Une guitare qui bronze au soleil. Ah, bah oui, du coup. Bah, il n'y a pas de soleil. Bah, ouais. Bah, alors, du coup, il n'y a pas besoin de. Avec un Z, évidemment. Bah oui. Et là, du coup, une guitare qui bronze au soleil. Et voilà, bah, logique, après, à partir de là, on a perdu. Une guitare qui bronze sur un transat. Putain, mais j'ai mis un guitare et une chaton, mais n'importe quoi. Je suis anglais. Je ne parle pas très bien le français. Bronze la matière, attention. Waouh. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois la progression du dessin qui se fait. Et quand une guitare qui bronze vraiment longtemps tout en chantant. Faire, c'est une guitare qui voilà. Bronze tout en chantant. Voilà, bon bah. Il est pas mal celui-là demain. Ouais, non, il est sympa. Hein. Non, mais au niveau du trait, il y en a bien 6, mais on a l'impression qu'il y en a 40. Hein. Putain, moi, j'ai hâte. Il y en a un que j'ai hâte de voir quand même, hein, parce qu'il y en a un que j'ai pas compris. Alors, Hermione a dit. Un canard avec une bouée dans la piscine. D'accord. Voilà, ça, ça va, ça. Ça, ça va. Et donc, Adma a dessiné un canard avec. Oh, waouh, wow, oh, il est vachement beau. Ah ouais. C'est pas juste, non, il y en a, ils ont des tablettes graphiques. Nous, on a la souris, wow. C'est dégueulasse. Un canard tranquille sur sa bouée. Bon, bah, dans la prochaine, piscine. On fait la souris. Un canard tranquille voilà. Sur sa bouée dans ah, la piscine. Vache. Rebecca a dessiné. Un canard. Ah, il a les yeux de Flouki. Il a les yeux du lison. Nickel. C'est Peppa Pig du canard. Il a les yeux du même côté, même de profil. Naphirus a dessiné. Je collectionne des canards. Je collectionne. Mais il a trollé. Mais quel rapport? Ben, c'était la chanson. Mais pourquoi Naphirus? Eh, du coup, mais après, effectivement, ça fait des canards 2503 fois. Ce à quoi mais, j'ai ah, mis 2504 mais... truches. Ah ouais. J'ai pas mais compris quel animal c'était. Un col vert. Il a le mais couvert. C'est un canard. Ouais, j'ai rien compris à part canard. Mais un canard sur. Bah, mais ça bouée, se voit. C'est un canard sur, voit, sur un œuf au plat transgénique, sur une étendue d'eau avec une échelle par terre. Qu'est-ce que tu veux dire ? En plus, je collectionne des canards. Mais quel rapport mais... avec une piscine et... Non, c'est vrai. C'est juste le rapport avec la chanson précédente, quoi. C'est tout. Ah, mais le salaud, il troll. Ah, si, il troll. Hein. On joue plus avec les trolls, attention. Hein. Doit-on être étonné que Naphirus soit un troll ? Tritok ouais. Jouant du piano au live de B. Ah, Tritok jouant du piano au live de BKM Cloud. Alex a dessiné. Tritok. Oh. Tritok. Bah oui, mais wow. Non, mais... Magnifique. Et ouais, non, mais moi, j'ai pas compris ça. Parce que moi, du Cloud coup, j'ai fait. Du piano. Parce que c'est le sub goal. Et eh ouais, moi je pense que c'était Cloud du coup. Et parce non. Que normalement, tu vois, t'aurais... Alex, t'aurais dû mettre que les doigts, que les mains. Parce que là, on voit sa bah, tête. J'ai mis point d'interrogation avec A. Mais là, on croit du coup que c'est peut-être Cloud bah ou quelqu'un d'autre. Ah non, du coup, bah, c'est quelqu'un d'inconnu. Bah justement. Subgold, t'aurais dû mettre 200. Subgold 200. Du coup, moi j'ai dessiné ça. Regardez les touches du piano. Du coup, j'étais mort de rire en le faisant parce que c'est tellement moche, c'est terrible. Ah la vache, ouais. Putain la vache. Même les enfants se foutent de lui. Ah oui, complètement là. Quoi, t'aimes pas mon piano? Il y a même les pédales du piano là. Un petit peu. Et en plus, ouais, non, il fait quoi? Il pète? Ah non, c'est Cloud. Mais d'accord. Non, c'est Cloud. C'est un nuage. C'est pour dire c'était Cloud au cas où ce soit pas assez explicite. Par contre, je crois que dans le regard, on sent le désir de mort, je crois, non? Qu'est-ce que... Le désir. Cloud du piano. Ah, merci Hermione. Voilà, Cloud du piano. Et Yue, elle a dessiné. Ah, waouh! Eh, pas mal! Le piano sur le mur, comme ça. Il est couché par terre, comment ça se passe? Il n'y a plus le book, hein, tu remarqueras, il n'y a plus le book. Il n'y a pas eu le temps d'avoir le book. Peut-être c'est un DJ Ridou, peut-être. Cloud grimpe sur une échelle.
Bah oui. Cloud grimpe sur une échelle. C'est pas ça. C'est merveilleux. C'est mal c'est compris. C'est tout sauf un piano. Oui, j'ai précisé le piano en bas, Tritoc, effectivement, et c'était pire. Mon piano en bas était encore plus dégueulasse. Une étagère à CD. Mais oui. Une étagère à CD, c'est vrai. J'ai pas eu le temps. On a quoi? Oh la balle, c'est tellement bien. Alors, Alex proposait comme phrase... Un coussin péteur. Un coussin péteur. Ah, donc on est... Ok, je comprends mieux. Yue a dessiné un coussin péteur. Jusque là, ça va. Moi, j'ai dit... Un coussin péteur qui fait prout. Dans le doute, j'ai précisé. Un coussin péteur qui fait prout. Tu veux qu'ils te disent la cuisine? Non, mais dans le doute. Elle avait marqué prout, je me suis dit bon. Donc... Prout. Ouais, mais c'est trop facile d'écrire, trop les facile. Gars. Ah oui, faut pas mettre prout en fait. Il faut pas écrire des trucs. Faut pas écrire des trucs normalement. Un coussin prout sur une chaise. On peut faire que les onomatopées normalement, c'est ouais. Pour aider, mais c'est pas. Ah bah, c'est vraiment si t'as pas le choix. Ouais. Non, mais non, mais prout, c'est très. Ma difficile. Phrase était trop facile. Prout, c'est bah oui. Trop facile. Oh, il est beau. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, il est beau, mon prout. C'est une bouillotte qui pue quand même. C'est une bouillotte qui a moisi. Mais vous avez jamais eu un coussin prout sur une chaise. Voilà, regardez. Voilà. Et le suspense. Et c'est revenu. Tout va bien. Alors, on en était à l'album de Yue. Trop de choses. Je collectionne les chats noirs. Je collectionne les chats ça, noirs. Ça, c'était dur, putain, c'était dur. Et donc. Waouh. J'ai pas eu ça. Voilà. Ouais, bah du non, t'es pas obligé. Qu'est-ce de que c'est en dessous, Rebecca? C'est un napolitain? Bah, c'est des cartes, c'est mais pas. C'est une araignée sur un cosseuil sur un c'est vrai, non, c'est une tête de chat, a priori. Ah bon, elle aime les chats, mais il est noir. Et du coup, c'est plein de cartes qu'elle a entassées. C'est dur. Des chats encadrés avec un C. Des chats avec un cadre, peut-être, je sais pas. Avec un C. Avec un C. Et du coup, Hermione. Des chats. Et du coup, des chats encadrés avec un C. Ah oui, ben voilà. Voilà. Tout simplement. Je sais pas si je me suis duo de chats. Avec un cœur, d'accord. Ah, un duo de chats en dos. Oh, mais dis donc, capitaine, tu connais la lettre C? Ah, voilà. Alors, attention. C'est là que ça vient. Le reveal du duo de chats en dos par moi-même, ça fait ça. Oh, c'est trop mignon. Ils sont dégueulasses, on dirait mi-souris, mi-raton. Je sais pas ce que c'est ah, comme oui, animal. C'est vrai ah, ouais, non, là. C'est oh les chats de la série Tchernobyl. Oui. Deux chats qui chantent des dos en duo. Ah, deux chats qui chantent des dos en duo. Nickel, c'était bien ça, c'était un duo de chats. Bon bah voilà. Ouais, mais par contre, on est pas du tout sur les chats qu'on collectionne. Et ben c'était très difficile de montrer le fait de collectionner des chats. Ah ouais, c'est pas évident. Ah, l'album de Becky, alors voyons voir. Alors. C'est pour ça qu'il faut écrire des choses que tu te sentirais, toi, capable de dessiner. Un hamburger au chou-fleur. Alors Rebecca, ton hamburger au chou-fleur, ça a fait ça. Oh, mais trop bien. Voilà, il est blanc. Et on est d'accord que c'est dégueulasse, hein, les hamburgers au chou-fleur. Hein, c'est... Ah bah, voilà. Oui, ça doit être bizarre. Pourquoi bah, parce que. Ah non, c'est... Un hamburger avec du chou-fleur, on met des pains. Mais... C'est trop épais, non, pour réussir à le rentrer dans du pain sans l'écraser. Oui, non, mais une vache aussi, alors que le steak c'est plat. C'est vrai. Un gratin de chou-fleur qu'il faudrait mettre en hamburger. Un arbre mange un hamburger. Oh merde. Mais pas du tout. Un arbre mange un hamburger. Eh merde. C'est là que ça a merdé. Waouh. C'est extrêmement flippant. C'est pour ça que je lui ai mis des yeux à la fin, je me suis dit il va faire peur. Oh, il est beau! Ah, il un est arbre beau, mange un hamburger! Tu comprends, il a envie de manger. En fait, c'est le détail du chou-fleur évidemment à droite. Hein, mais ouais. Un arbre mange un hamburger VG. VG en avec plus! Putain! Et Nafiro ça fait. Eh putain! Oh, il est mignon! Il est mignon! Il est vachement bien! Il est marrant! Et donc Alex, il a dit un arbre non végétarien qui mange un burger. Un arbre non végétarien. Oula. Non. Je ne suis pas végétarien. C'est tellement drôle. Tu penses à les sauvegarder à chaque fois, Rebecca? Je les ai pas pris. Oui, moi. Oui, je les ai sauvegardés, ouais. Ok, cool. Est-ce qu'on fait un nouveau tour? Ah oui. Ouais. Ah oui, bah oui. Alors, il faut que je fasse pipi, sinon il va se passer une catastrophe. Je reviens ah, tout de suite. Distribuez le live, allez-y. Vous avez l'audio à tout de suite. Le live.
Bonjour. Je pense à quelque chose. Ah, Hermione, elle s'en va. Eh ben, Hermione, tu... Bah d'accord, quitte la partie. Peut-être qu'on peut inviter une autre personne. Qui c'est qui aime bien dessiner? Des trucs moches. Allez, qui veut venir jouer avec nous? On est gentil. Des fois. Elle dit ça tout près du micro pour que ça Ouais. Oh là là. Qu'on connaît, quelqu'un qu'on connaît, évidemment, c'est mieux. Bisous, sorcière. Ma mère vous passe le bonjour. Bisous, Pascal. Moi, j'aime bien. Hawk, tu veux... Bah écoute, je t'envoie le lien. Hawk. Alors attends, parce que du coup, il faut que je renvoie. Je sais pas du coup si c'est le même lien, tu penses? Est-ce que tu... Non, moi, on peut envoyer... On peut envoyer le même lien à Hawk. Je lui envoie sur Twitch. Ouais. Tu l'as encore en copier-coller. Vas-y, Hawk, rejoins-nous. Oui. Je t'ai chuchoté le lien. Ah non! Mais t'es gueule! N'aime pas ça! Mais à gueule! Alex, là, t'es fou de faire ça, tu fais saturer les micros! Ah, y a pas de. Y a pas de. Bah, de quand tu. Bah, chez toi surtout! Ouais, bah ouais, non? Espèce de vilain! Ah bon? C'était pas plus fort, je crois, c'était juste saturé. Bon. Oui, bah attends, pense à nos petites oreilles. Regarzouilli! Et Grazouilli! Ah pardon, mais crier c'est moins dégueulasse que l'ASMR. Hein. Ah c'est pas pareil, c'est différent. Est-ce que ça a marché, Hawk? J'ai pas l'impression que ça ait marché. Deux secondes, j'arrive. Ok, ça marche. Très bien. Oui, je vous rappelle que après, je sais pas, je pense qu'on va faire encore cette partie-là et puis on passera à la suite des challenges, même si c'est vrai que c'est assez drôle. Hop là, me voilà. C'est très bien. C'est très bien. Alors. Sachant qu'on démarrera avec ce pipi. On attend Hawk. Et n'hésitez pas à changer. Non, vous pouvez pas changer votre pseudo, dommage. Hawk, vas-y. Reviens. Ouais. Non, c'est Naphiros. Mais ceci dit. Hop là. Si tu satures la carte son, tu pourras mettre tous les compresseurs que tu veux. Ça changera rien. Et oui, Tridol. Effectivement. Aigre-gruc. Allez. On attend Hawk. Ouais. Il a dû. Oh, Kayas. Yay! Ah, Hawk, voilà. Il a pris un oiseau. C'est parfait. Eh ben, on est parti? Ok. Allez, c'est parti pour. Non, et on met en normal cette fois-ci? Ou on reste en lever le pied? En normal, ça sera plus. Plus rapide. Eh ben, ouais, je sais bien. On n'aura pas à attendre que les gens aient commencé à dessiner. Ouais. Ah non, mais. C'est le timer. Tu auras de base le timer. Ok, on reste en lever le pied. Ça marche. Ouh, c'est chaud. Est-ce que du coup vous regardez la tablette graphique ou est-ce que vous voulez qu'on soit comme vous à la souris? Non, allez-y. Moi j'ai pas de souris. Hein. Oui, voilà. Je fais démarrer, attention, c'est parti. L'autre, j'ai pas de souris en moi. Mais non, j'ai pas de souris. Truc de pauvre là. Comment c'est une histoire? J'ai une fonction calligraphie sur la tablette, je savais pas. Trop bien. Je peux écrire avec la tablette, ça me transcrit en écrit sur un cartophone. Ça marche nulle part. Ça va être dur, ça. Bon, je tente. Toujours bien, Octavie. Il y a un thème, non? Il n'y a pas de thème. Tu. Voilà. Écris ce que tu veux. Voilà. On va faire ça. Bon, par contre, ça peut être super relou, Adma. Je l'ai enlevé, moi, l'option. Oula, mais vous êtes compliqué ou? Ouah, c'est tellement dur. Mais pourquoi? Pourquoi nous infliger ça? C'est quoi ça déjà? Il y a un bordel dans ma rue, je sais pas ce qu'ils foutent. La vie, les gens. Ils pourraient arrêter de vivre. Bah oui, franchement. Je suis super concentré. En plus, il y a la musique jazz, alors du coup, c'est vraiment ultra chill, quoi. Si je puis me permettre, ultra chill. Non, tu ne peux pas. Ah non, c'est vrai. Lui. Mais ça se passe bien de votre côté. Ça fait pas ce que je veux. Bah ouais.
Pour l'instant, c'en est un facile, donc ça va. Pour toi. Non, parce qu'il y a justement certains thèmes, des fois, comme ça, où des gens disent « Ah, oh, bah ça, c'était cool à dessiner !» Et puis d'autres, pour le même thème, ils sont là « Ah bah non, mais ça, c'était impossible !» Évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans ma cour, là ? Ouais, c'est vrai que j'ai entendu un Entre ça et le chat qui miaule, vous l'entendez pas, le chat, ça va ? Non. Non, non. Bon. Oui, bah, je t'y verrais bien, Tritoc, toi. Ouais, il critique mon dessin. Il est génial. Comment on fait annuler ? Ah, voilà. Ctrl Z. Ça, c'est quoi comme outil ? Ah, c'est pour faire une droite. Ah ouais, mais le pot de peinture, il faut fermer ses traits, sinon ça peut pas. Ah ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Quand on pète tombe, t'as pas de quoi équilibrer. Comment je vais illustrer ça ? C'est un vrai exercice, en vrai, c'est chaud. Hein. Ouais. Hein. Cache une petite merdouille là. Ah ouais, je vais faire un autre truc. Arrête de chuchoter, Julien. Ou... Pardon. Ah, je vais faire un autre truc. On peaufine, hein. C'est bien. Mais les thèmes là non ? Hein ? Enfin, c'est-à-dire, on attend personne ? Bah non, si, faut faire terminer quoi. Faire terminer quoi. D'accord. Bon. Et vous y êtes encore ou pas ? Non, ça y est, c'est bon. J'ai capitulé. Bah, c'est bon, ouais. Hop là. Allez, hop, terminé. Ça va être drôle. Hein. Bon courage pour celui qui prend le. Voilà. Bon courage. Hein. Dring. Allô ? Bonjour, vous avez un nouveau message. Allô, c'est Daniel. C'est toi la voix. Exactement ce que j'allais faire. Ah ouais. Merde. Tu m'as spoil mon effet. Je savais pas qu'il y avait une suite. J'ai toujours pas mangé mes pattes ni rien, moi c'est froid maintenant. Ouais, moi c'est froid, moi je les mange aussi, froid. Ouais. Attendez, je coupe mon son. Je coupe le son. Voilà, tout à fait. Pardon. Oula. Putain. Comment dire. Il y a beaucoup trop de choses. Allez. C'est ça, elle dit qu'elle voit toujours pas l'intérêt. Oui, allô, je vois toujours pas l'intérêt. C'est très bien. Mais c'est impossible. Mais non, ce n'est pas impossible pour toi, Alex. Dessiner la liberté. Oh putain, tu déconnes. Mais qu'est-ce que l'univers ? C'est un exercice de théâtre que j'avais eu, moi. Pas dessiner, quoi, mais mimer la liberté. Ah. C'est bien, ça. Ouais. Attends, on est concentré, c'est beau. Oui. 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 Non. Oui. Non. Oui. Il vous faut plus de bois. Qu'est-ce que c'est, Age of Empires ? Wololo ! Ça. Ah, j'y passe un peu trop de temps. Il faudra m'en pardonner. Je vais crier. Oh non. Aline, pour qu'elle revienne ? Ah, on entend que ça frotte. Froute, froute, froute. Qui c'est qui fait froute, froute, froute ?
Et moi, sur ma tablette, je colorie. Désolée. Je sens que la personne qui a fait ce dessin n'a pas compris la phrase d'avant. Je le sens comme ça. Mais je crois qu'aucun petit a eu des petits soucis. Il a eu des, du plantage, je crois. Il y a un truc à Paris Fraîche. Ah ouais, merde. C'est pas évident. Bonsoir, Red Blaireau. Merci pour le follow. Bon, bah ouais. J'ai l'impression de faire les dessins que je faisais sur les cartes postales que j'envoyais à mes grands-parents quand j'étais gamine. Mais genre quand j'avais 5 ans, quoi. C'est du même level, là. Mais je vois pas où il y a un trou dans mon truc, alors que... Ah si, là. Sans doute quelque part. Mais pareil, oui, hein, je dessine toujours comme quand j'avais 5 ans. Moi, ça n'a pas changé. Le capitaine confirme. Moi, je vais pas... Souris ou pas souris, ouais. C'est la même chose. Moi, j'adore les dessins de... Les dessins de Julien sont merveilleux. C'est gentil, va. Je me rappelle bien ce fou rire du bassin. Oh là là. J'en rêve encore. Le fou rire du bassin. Tu te souviens pas? Non. C'était chez Aurore, c'est ça, quand il a fallu nous dessiner. C'était chez vous. Ah, c'était chez nous qu'on a dessiné? Ouais. Le fou rire du bassin. Ah oui, ouais, le bassin, pardon, je croyais que c'était une expression qu'il fallait dessiner. Tu vois, un bassin qui fait un fou rire. Tu vois, c'était pas la fois où dessiné un bonhomme, mais avec une ceinture directement sur les genoux presque. C'était pas mon autoportrait pour 1856 le bassin? Oui, c'est ça. Ah ouais. Oui, c'est ça. Mais c'était avant. C'était on s'entraînait avant d'aller sur Aurore. Ah oui, faire des bonhommes dessins, des bonhommes allumettes, tout ça. Voilà. Non, ouais, le final, c'était chez Aurore, c'est celui où je suis à la fois d'un point de vue un peu incliné vers le haut et à la fois complètement de face. C'est ça. Voilà, voilà. Bon alors, qui c'est qui a pas fini? Deux personnes. Ah oui, il y en a plein là, il y en a 5 personnes qui ont pas... Ah d'accord, bah c'est bon alors, je fignole, j'avais peur. Quoi est-ce que du programme déjà, je sais plus. Moi ça y est, ouais, j'ai déjà mis. La fin, du coup je mange. Voilà. Tut-tut-tut. Parce qu'après on est censé faire... Ah oui, Le machin après le bidule là. Ouais. Machin après le bidule. Ouais. Validez votre dessin. Hein. Validez votre dessin. Ouais, non. Ouais. Non. Bah si. Non, mais t'inquiète pas, Yui, on en est au même point. Ne sois pas désolé. Ou alors faut qu'on soit tous les deux désolés. Mais... Bon, sinon je vous joue un peu de trompette en attendant. Non. Non. Validez tout de suite. Je préfère ça que la ASMR. Hein. Oh merde, la tamaton. Après ça, on fait le blind test numéro 2, mais promis, c'est pas le tamaton. Vas-y, je fais de l'électro comme ça, là, dans Rihanna. Oh non. Ah, ça y est, ça sonne. Ah, c'est bien, c'est bon. Bien, en synchro. Oui, Samuro. Samuro qui a dit, vous dessinez bien, quand même. Hein. Oui, oui, oui. 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 Bien sûr. C'est ça, bourré. Le plastique du collège passait par ici. Oh, c'est beau. Oh là là. C'est tellement mignon. Oh, c'est tellement mignon. Mais enfin. On dirait Tritoc. Ah bon. Ouais. C'est censé être quelqu'un que je connais, peut-être, je sais pas, mais. Ah mince, je suis pas en train d'écrire. Je suis bête. Voilà. Ah, j'ai un doute là sur celui-là. Allez, on va dire ça. Hop. Comme ça, c'est fun. Alors évidemment, Tritoc, elle parlait pas de ce que tu vois toi à l'écran là. Hein. Pour la ressemblance, elle parlait de ce qu'elle voit chez elle, on est d'accord. Hein. Parce que là, sinon, il n'y avait aucune ressemblance. D'accord, ok. What? Et vous avez picolé? Qui trouve des phrases comme ça? Oh, ah ouais, vache. Bah, on verra tout à l'heure, effectivement.
Qui se bidonne, c'est ça qui est marrant. Oui. Moi, je veux jouer avec Omar Sy en vocal. Pourquoi ? Parce que s'il rigole, je pourrais plus terminer. Effectivement, c'est compliqué après, oui. J'adore son rire. C'est le rire qui me fait le plus rire de l'histoire des rires. C'est vrai qu'il y a des rires qui font rire. Ouais. Le rire. Il y en a d'autres, ils font pitié. Merde, c'est pas la bonne couleur. Oh, yeah. Qui je sais ça? Comment je pourrais préciser mon truc? Parce que là, ça pourrait être autre chose. Il n'y a pas de trou là, pourquoi? Oh. Mais de quoi qui cause? Bah, pour faire. Oui, non, oui. Le pot de peinture. Oui. Ah oui, pour le pot de peinture. Ouais. Ah ouais, le pot de peinture. Ouais, mais on dirait autre chose, quoi. Ah là là. Après, je ne veux rien dire, mais... Faire un indice. Allez. Un indice de forme... Rectangulaire. Couleur fraise. Oui. Ah, oui. Le bel indice, quoi. Oh yeah. Bon, ensuite. Ah, je suis pas en maximum de contraste. C'est pour ça que ça marche pas. Mmh. Oups. Non, ça marche bien aussi, mais... Et non. Ouais. Tu m'as mis ça en la tête, c'est mort. Allez, je vais terminer, c'est pas grave. Très concept comme dessin. Coucou Axel ou en passant. Oh, re. Bah, il me semble qu'il était là tout à l'heure. Ouais, mais il est reparti, il est revenu, hein, c'est ça. Coucou Dany de la Drôme aussi, que j'avais pas vu rentrer. Oui. Tweet, 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 tweet. Et donc à 21h, 21h30, je sais plus, on fait de la musique, c'est ça, Rebecca? Et entre temps, on fait les challenges. Non, d'abord, on fait du challenge. Ouais, parce tout à que fait. Là, il faut faire le quiz numéro 2. Dans le challenge, il y a le blind test numéro 2, c'est ça que tu veux dire par quiz, je présume? Oui, c'est ça, c'est le blind test. Blind test. Numéro 2. Ensuite, on a de la vidéo top secrète. On a également un challenge et un Becky de Becky Fourier Generator. Et j'espère que t'as noté tes blagues de papa. Hein. Ouais. C'est bien, moi aussi je les ai notées. J'en ai noté plein. Ah, les blagues de papa, c'est les blagues nulles de carambar, tu vois, et en fait, faut pas rigoler. D'accord. Voilà, mais des fois, c'est tellement, des fois, c'est tellement nul que c'est drôle. C'est un peu surtout, comme moi, je vais devoir regarder Julien dans les yeux. C'est ça, c'est le principe de la barbichette, en fait. Il faut pas rire, du coup, aux blagues nulles. Mais du coup, ça marche quand c'est des blagues très nulles. Ouais. Voilà. Effectivement. Et je pense qu'il y en a au moins une, puis je vais te faire vraiment très très rire. Tu crois? Ah, moi j'ai fait une sélection extrêmement ciblée sur certaines blagues. Je pense que. Bon, et c'est marrant parce que il y a des blagues, je me suis dit, non, pas celle-là, ça lui fera pas rire, celle-là, ça le fera pas rire. Pareil. Et j'imagine que toi, t'as trouvé que des vannes avec des proutes. Et voilà, non, ça me fait rire. Peut-être quelques-uns, mais pas trop. Mais de toute façon, je sais, le but de ces Becky Fourier Generator, en fait, c'est pas que je gagne ou que je perde. On sait que je vais perdre, mais... tu vois. Effectivement, voilà, qui c'est qui a pas validé? Je sais pas. Alors les gens, vous validez pas? Ah d'accord, ok. Ah non, il manque encore quelqu'un. J'ai pas fini, mais bon, on va dire que c'est presque ça. Les gens, ils s'oublient. Ouais. Je suis en train de dessiner des petits détails à la con. Ça va, oh, qu'il arrive à suivre? Et je sais pas, je pense que oui. Je pense qu'il y a juste eu un petit raté au début. D'accord. C'est quand même dur parce que normalement je passe une vingtaine d'heures sur des dessins. Et là. Quoi Là, c'est pas pour les vendre. Ça m'a fait très mal. Oh, il est joli celui-là. Ouais, il est beau celui-là. Oh, on voit ceux qui ont des tablettes graphiques, hein. Putain. Ouais. Je suis sûre que c'est Naphiros qui l'a dessiné celui-là. Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas, je connais la patte de Naphiros. Mais qu'est-ce que. Yoé, je viens de voir que j'ai mal lu la phrase. Ah. D'accord. Bah. C'est une photo, ouais, Axel, t'as vu, c'est beau, hein. Oupsie. Bon, on va bien voir ce que ça fait. Comment t'appelles les grandes horloges, là? Les horloges comtoises? Les grandes horloges. Une grande horloge. C'est des papiers les horloges comptoises, mais les horloges comptoises. Les horloges comptoises. Et sinon... Bon. Mais comptoises, mais c'est vrai. Mais comment ça s'écrit? Oh, bah écris-le comme tu le prononces et puis tu verras bien.
Non, comme pas contre, comme toi, comme Franche-Comté, ouais. C'est ça. Ah, mais c'est fini. D'accord. Ah, bah voilà, ça va. Je croyais qu'il y avait encore d'autres Allez, trucs après. Allez, maintenant on va montrer. Donc, narration, oui. Une horloge. Emmanuel. Une horloge. Yeah. Une horloge comtoise. Avec un M, comtoise. Oui. Comtoise. Comtoise. Je l'ai pas écrit comme ça. Bah, du coup, on est parti alors, hein, c'est ça. La snob. Bah oui, hein. QU apostrophe, toi. C'est ça, QU apostrophe, toto-coloise. Bah ouais. Alors, ah, c'est moi qui commence, d'accord. Affiché. Là, comme partir en cacahuète. Partir en cacahuète. Ça, c'était dur, un bordel. Oh, putain, qu'est-ce que c'était dur. Vous êtes donc voilà. C'est exactement ce que je voulais. C'était exactement ça qu'il fallait. Voilà. Trop bien. On part. Parfait. Salut. Du coup, je comprends ce qu'il y a après. Allez à l'école à dos de patate. Ah. Bah ouais, évidemment. Bah oui, mais bon, une cacahuète, c'est chaud, quoi. Bah ouais. Aller bah à l'école à dos de patate. Ouais. Ah bah parfait. Oh, c'est tellement mignon. Oh, il est bien. Elle est tellement bien, Alex. J'ai l'impression que la patate, elle avance tout doucement. De... Non, il va être en retard à l'école, là. Tritoc enfant avec un cartable chevauchant une patate. Désolé, mais moi, ça... Et là, Napiros, il a fait quoi? Les Tritoc. Tritoc, mais pourquoi? Attendez, même pas visé. Attendez, t'avais tué Rebecca, attendez. Mais Tritoc. Alors voilà, ma pitié, ne mettez pas le pseudo Tritoc, c'était pas possible. C'était bah oui, bien, c'est vrai, Adma, ouais. Mais oui, oui enfin. C'est vrai, c'est vrai. Alors. Ah bah si, regarde, voilà. Nafiros, il a mis le point d'interrogation pour dire on sait pas qui c'est sur une patate. Et voilà. Non, il s'est bien plié au. Ça se tient, ça se tient. Tritoc, c'est l'homme en visage. Regarde, le manteau rouge. Yue, elle a trouvé. Bon alors ça n'a rien à voir. Bon allez, c'est pas vrai. Oui, mais je trouve que ça marche bien. Écoute, c'est bien trouvé. Oh là là, c'est bien Tommy. Ah non, Yue, bravo, hein, Nafiros, Yue, ah, vous êtes plié aux contraintes, ça marche bon, tout à fait. Moi, n'empêche, voilà, ma partir en cacahuète. Voilà. Ah non, il est bien. Hein. Il était, je l'aime bien. Ouais, cacahuète, hein. Alors le suivant. Alors Adma qui proposait. Une mamie qui joue du ukulélé sur la plage. Ukulélé sur une mamie. Et ouais. Ah, Nafiros a fait mamie. Ça, une mamie qui joue du ukulélé sur la plage. Bah, alors moi ouais. J'ai mis, par contre, j'ai mis une réponse. C'est à peu près ça, mais j'ai mis. Vieille Becky joue de la guitare à la plage. Bah ouais. C'est parce qu'on dirait qu'elle a on dirait qu'elle a le maquillage autour des yeux. Alors mais c'est bizarre, elle a des cheveux gris. Alors du coup j'ai dit vieille c'est Becky. C'est une mamie Becky qui joue de la guitare à la plage. Vieille Becky. Mamie Becky. Alors vieille Becky. Oh merde. Bah ouais. J'adore les cheveux. J'adore les cheveux. Je pense qu'elle capte à peu près la TNT, des trucs comme ça. La Firo s'est dit que c'était des rides. Ah, ouais, je sais. Voyager. Une mamie. Ah ouais, c'est ça. Joue de la guitare sur la. Eh ben voilà, Alex, il a tout à fait trouvé. Alex, t'as compris que c'était moi. Bah, parce qu'il y avait des cheveux gris. Mais pourquoi ? Habillé en vert, des cheveux gris. Une guitare à une corde. Je ne sais pas. Comment. Yoel, elle te dit, je te crotte, Julien. Ah, mais non, mais quoi ? Mais quoi ? Mais je fais pas mieux, hein, c'est bon, hein, tu vas voir mes dessins. Ouais. Regardez ce beau dessin de Hawk. Oh. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'étais inspirée. Et du coup, je crois que je me suis mieux rapprochée de la, du début, mais il n'y a pas jouer le notion de mamie. Une guitare sur une île, quasi déserte. Quasi parce qu'il y a un crabe. Voilà. Ah, oui, mais oui. Voilà. Oh là 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 là. Non, ah non mais bravo, bravo Alex d'avoir trouvé cancer, effectivement. Bien entendu. Oh là là, c'était... Arrêtez de dès qu'il y a un personnage de penser que c'est moi. Ça suffit. Ah, il y a des cheveux longs, c'est toi, il y a un chapeau. Ouais, c'est la fête en vert. Ah dit, oui, c'est ça. Anodin. Alors Alex, voyons voir. Alex a proposé une chips sans slip de bain. Une chips sans slip de bain. Ah, c'était une slip and chips. Il y a beaucoup sur les patates, non? Ah yes. Et c'était une chips, ouais, d'accord, ok. Les plages, il y a envie de vacances. Ouais, elle est pas mal cette chips. Et Tritoc qui dit, hey, il y a une patate, on dirait moi. Une patate avec un slip rouge et des yeux sur le slip. Des yeux sur le slip. Des yeux sur le slip. Point d'interrogation. Alors du coup, moi je suis restée sur la patate. Hein. Oh merde. Comme le mignon ma petite patate. Mais le slip a des patate. Yeux. Après la colline a des yeux. Le slip a des yeux. Et des yeux sur le slip. Bah oui. Et des yeux sur le slip. Bah moi j'ai mis des yeux sur le slip. Une patate en slip de bain rouge avec des yeux. Voilà. Moi du coup par contre je suis reparti dans l'autre sens parce que du coup avec les yeux on savait pas pour qui c'était donc j'ai fait ça. Plein quoi. Il est trop mignon. Il est trop mignon ta patate. Il a un œil plus grand que l'autre. Oui bah ça va. Parce qu'on peut. C'était Octavie qui a dit oh elle est toute mignonne ma patate. Ah ouais elle est étonnée elle est bien. Et j'ai eu peur que vous confondiez avec un kiwi ou avec un œuf. Du coup j'ai mis un cornet de frites McDo à côté. Entre parenthèses, juste pour rappeler que c'est de la patate. Et là, c'est la plage en bas à droite, évidemment, hein, pour rappeler que c'est un slip de bain, parce que ça aurait pu être une patate Superman. Oui, ce poivre en maillon, mange des frites à la plage. Oh là là, quel bordel.
Eh, n'empêche, on est revenu, on est revenu quand même sur la chips. Ah, on est revenu sur la chips au poivre. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal. Chips en slip de bain et là, slip en maillot. Eh ben, on a gardé, sauf que voilà, il a mis une petite histoire, Nafiro. Ça, c'est bien. Oh là là. Voilà. Non, mais bien joué, Nafiro. Il est bien retombé sur les pattes. Enfin, sur la patate. Oh là 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 là. Alors, Yue, qu'est-ce qu'elle nous a mis, Yue? Le papillon rouge mange une crêpe au chocolat. Ah, c'était ça. Ah, c'était mange. Oh là là, c'était dur. Mange. Mais pourquoi si long? Pourquoi autant de mots? Regarde ce que j'ai fait. Eh ben ouais. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je savais plus comment faire la poêle, alors du coup j'ai mis du feu sous la poêle, après aussi le chocolat. Voilà. Ah, elle est bien. En plus, tu aurais pu mettre la crêpe qui fait cuire la poêle. Critoc, il a dit, il est sympa ton ballon de rugby. Après, j'ai mis la pâte à tartiner à côté au cas où. Putain, ah oui, c'est vrai que belle en rugby. Papillon souffle sur crêpe au Nutella. Ah, c'était ça. Et donc, oui, effectivement, souffle. Ben, moi, j'ai gardé ça en tête. Oh, ouais. Il est beau. Le pot Nutella, moi, je trouve qu'il est bien trouvé. Hein. Ah, il est bien, il est bien. Waouh, en fait, ça, on dirait la bêta, tu vois, qui a pas bien marché. Et là, c'est mieux. On a perdu l'idée du papillon rouge. On se plie ses crêpes en triangle. Oui, c'est vrai. Ou alors, c'est un. Comment? Un Doritos? Ah ouais. Non, ça un va. Un papillon qui souffle sur une crêpe au Nutella. Ah bah, pas mal, ouais, voilà. Tout à voilà, fait. Voilà, voilà. On n'est pas loin, Oula. Ouais, là. Ah ouais, mais qui souffle, mais avec les ailes. Waouh. Wow. Putain, c'est concept, ça, quand même. Hein. Ça a pas de poumon, un papillon, non? Bah non, effectivement. Ah bon, j'en sais rien. Ça respire crêpe au Nutella. Éventé. Une crêpe au Nutella. Ouais, je t'éventre. Fallait placer éventé quand même, c'est évident. Je vous la refroidis. Non, mais c'est bien, c'est bien. Génial. Merci pour ton follow, Clicéo. Ah oui, merci Clicéo. Oh là là, je sais plus ce que je vous ai mis moi. Alors Becky qui proposait un livre qui aimerait partir en voyage. Ah voilà, c'était onirique. Voilà, ah, c'était onirique. Ah c'est ça. J'ai pas le temps de finir. Ah voilà, c'est beau ça. Oui, c'est vachement bien. Ouais. Adma, super bien trouvé. Ça marche bien, ouais. Un livre qui rêve à un voyage sur une île déserte. Ça se précise. Ouais, forcément. Dans l'hémisphère sud, cracher, au printemps. On a toujours le livre qui rêve. Oh voilà. C'est marrant, c'est mignon. C'est mignon, je tout plein. Non, on sait plus que c'est un livre, par contre. Ah si, un livre rêve d'une île déserte. Ouais, on est toujours bien. Et alors moi, ça, du coup, ça fait ça, c'est ça. Là, c'était beau. Hein. Ah, c'est beau. C'est mignon, il est trop beau. Alors du coup, j'ai pas du tout compris. Moi, j'ai mis... Le livre lit le trésor. Ah, voilà. Mais non. Non, pas du tout. Ah ouais. Mais c'est beau. Oui, c'est très très beau. On aurait dit que c'était le livre qui racontait l'histoire, donc bon. Oui, c'est vrai. Il y a pas le côté rêve en fait. C'est vrai. Ouais, juste il. Je dirais que c'est ce qu'il y a dans le livre, parce que sinon, si tu vas pas écrire l'histoire dans le bouquin, du coup, je dis ah c'est le livre. Mais elle donne envie ton île. Ah ouais, elle est bien. Bon, il y a pas la fibre. Mais non, non. On dirait. Imagine les araignées là-dessus. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Un côté. J'ai faim. Tu vois, ouais. Une petite plate spaghetti là comme ça. Ah oui, avec la verdure gratinée moi. D'accord. Nafiro s'est dit qu'il est magnifique ton dessin Alex, ouais. Voilà. Et bah écoute, il est à 50 euros. Voilà, c'est une commission évidemment. Vous aimez mon travail. N'hésitez pas à aller sur le site d'Alex évidemment. Attends, j'ai quoi là Alex? Est-ce qu'on peut faire un shout out pour nos participants? Mais j'ai un bot qui est fatigué, qui est parti faire la sieste en fait, du coup ça marche pas. Ah, fuck. Becky joue de l'automaton. Ah, Nafiro. Voilà, ça va, ça c'était facile ça. Alex, il a dessiné. Ça, voilà, oh, ça je l'ai trouvé. Très voilà, bien. Voilà, ça il était bon, il était bien celui-là. C'est exactement la même phrase. Regardez, c'est beau. Ouais. Alors, effectivement, c'est de l'automaton, non pas de l'automaton, mais à chaque fois je me plante. Automaton. Ouais. Attention, vous êtes prêts? Ouah. Avec l'air grincheux. Et j'avais pas un air grincheux. Hein. Ah si, t'étais très concentré, Rebecca. Mais pas grave. Rebecca avec un pendule musical. Oh merde, un pendule musical. Et il était pas là au début du live. Ouais. C'est vrai, il y a un petit côté. Ouais. Ah oui, d'accord, une pendule, d'accord. Une horloge. Oh bah oui. Une femme cheveux longs, robe verte devant une horloge conto. Comptoise. Quand c'est vert, c'est Rebecca. Comptoise. Voilà, mais c'est vrai, ça rêve, c'est Rebecca. Ah là là. Une pendule et pas un pendule. Ah ouais, exact. Oui, bon, même un pendule, je sais pas si ça un aurait. Pendule. Mais bon, tout à l'heure, moi j'ai écrit une chaton tout à l'heure et un je ne sais plus quoi. Donc... Une chatonne. Une chatonne. Et voilà. Alors, O qui disait. Une belle plage avec une mouette. Ah, une belle plage avec une mouette. C'était une belle plage. Oui. Ah, ça a dérivé là. Ouais. Voilà. Une belle plage avec les petites. Oh, il est beau. Elle est belle ta mouette. Vole au-dessus de la plage. Mouette vole au-dessus de la plage. Mais tu à quoi ça ressemblait une mouette? Elle s'est fait dégommer parce qu'elle a qu'une aile. Ah. Une mouette qui vole au-dessus de la mer. Et ouais, on a perdu le concept de plage. Voilà. Ouais. On a perdu le. Voilà.
Elle utilise le transparence, oh, c'est bien. Mais c'est un furet, ton truc qui vole, Rebecca. Mais ta gueule. Mais il est très bien. Mi-pingouin, mi-mouette. Oui, bah ça va. Avec toujours les petits yeux qui vont bien, évidemment. Et avec les yeux de face. Hey, Spinid. Salut, Spinid. Merci beaucoup pour l'animation. Voilà, on a perdu le concept de plage, mais c'était pas mal. Oui. Ouais. Eh ben, c'était bien. Super. Non, mais c'était bien. Alors, attendez, moi, je vais aller dans Gaming et puis je vais poster nos... Ou dans Pix. C'est marrant. Pix and Vids. Je vais poster tout ici. D'accord. Ouais. Je valide l'exercice. Non, mais ouais. Voilà, c'est rigolo quand même. Hein. On est d'accord. Ouais, hein, on pourra refaire à l'occasion, hein, un de ces quatre. Ouais, carrément. Ça pourrait être sympa. Je pensais pas que c'était aussi rigolo. Je me suis dit, ouais, bon. Et en fait, si. En fait, si, c'est ah, non, mais non. Mais faut jouer avec des gens qui dessinent très bien et des gens qui dessinent pas très bien. Et je trouve ça encore plus drôle. Donc c'est bien. Faudra toujours inviter Adma et Alex. Hein, et faudra toujours inviter moi et Yui. Qui avons à peu près le même niveau en dessin. Donc c'est nickel. Par contre, Rebecca, nous oui. C'est marrant parce qu'on le fait, mais peut-être qu'en stream c'est pénible quoi. Ah, ça je sais pas, mais bon, pour que ça ait eu un retentissement mondial sur Twitch, c'est que les gens doivent y trouver un intérêt malgré tout. Et voilà, les amis, je vous l'ai mis dans notre Discord, dans Pix and Vids. Voilà. Et bien sur Twitch, c'est quand tu peux avoir justement sur Discord, tu fais ton retour écran. Ouais. Et la personne qui stream, du coup, t'as le retour écran des différentes personnes. Donc les gens voient l'évolution du dessin, ils sont pas obligés de rester jusqu'à la fin pour avoir l'ensemble du tutoriel. Exact. Mais ils sont pressés, ces gens, ils sont pénibles. Merci de l'incitation. Je quitte ici, moi, je rejoins le stream principal, donc bisous. Bisous. Ok, bah on coupe le son de toute façon. Oh bah oui, je vais raccrocher ici aussi. Merci beaucoup d'avoir vous êtes prêté. Merci au jeu. Beaucoup. Merci à Nafiros. Alors, aussi, à OK. On va vous faire des shout-out. Chaud. À tout à l'heure. À tout à l'heure, capitaine. À tout à l'heure. Hop, permettez que je revienne par ici, Rebecca qui va se ramener. Est-ce qu'on s'était mis en Gartic Phones ici? Même pas, on était resté en discussion et même pas en Gartic Phones, ce stream, c'est n'importe quoi. Ah là là, dommage. Ouais, tu peux refaire des shout-outs si tu veux, Yui, c'est toujours appréciable. Moi, il faut que je résolve cette histoire de bot qui est parti en grève. Voilà.